qu'on est depuis le départ contre ces négociations pour trois raisons. Des raisons sociales, des raisons écologiques et des raisons démocratiques. Donc voilà, on pense que ces négociations ne sont pas menées de façon démocratique. On pense surtout qu'elles vont avoir des conséquences sociales catastrophiques. Et on pense également qu'elles ne vont pas du tout nous aider à résoudre les problèmes environnementaux qui sont de plus en plus nombreux. Il y a deux enjeux. Le premier enjeu officiel, en tout cas, c'est de créer plus de richesses. Donc l'idée, c'est qu'en faisant un marché commun, un marché unique avec les États-Unis, on va permettre aux entreprises européennes d'exporter davantage. Qu'en leur permettant d'exporter davantage, on va booster la création de l'emploi, la création de richesses. Et donc, à terme, on aurait une fabuleuse augmentation des richesses. Ça, c'est le premier espoir de l'Europe. Le second enjeu, il est géopolitique, à savoir qu'il y a toute une série de rivaux dans le monde, la Chine, les pays du Brésil, toute une série de pays asiatiques, qui commencent à faire de la concurrence tant aux États-Unis qu'à l'Europe. Et l'Europe et les États-Unis, en faisant un partenariat commun, espèrent justement, quelque part, conforter la place du monde occidental par rapport à des nations rivales. C'est un projet qui permet aux multinationales de faire du shopping législatif et donc de mettre en concurrence des normes de protection de la population élevées avec des normes de protection de la population quasi inexistantes. Et comme elles ont le choix et qu'elles cherchent à diminuer leur coût de production, bah elles vont aller choisir les zones où ça coûte le moins cher. Ce qui se négocie concrètement, c'est l'harmonisation de lois entre l'Europe et les États-Unis dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc on parle aussi bien de l'agriculture, des cosmétiques, de la chimie, des mesures sanitaires et phytosanitaires, des services publics. Tout ce qui fait notre vie quotidienne est négocié. Et le but des négociateurs européens et américains, c'est d'harmoniser leurs lois à un niveau transatlantique pour donner vie à des lois qui seraient demain valables pour 820 millions de personnes. Mais le travail d'harmonisation des lois, c'est un jeu politique. Donc normalement, il y a toute une série de procédures en démocratie où les parlementaires, le gouvernement interviennent pour décider ce genre de choses. Ici, ce sont des technocrates, à savoir 20 groupes d'experts désignés d'un côté par le gouvernement des États-Unis, de l'autre par la Commission européenne, qui sont en train de négocier la mise en place de lois qui demain pourraient valoir pour 820 millions de personnes. Moi, je ne vois pas en quoi on peut soutenir que c'est démocratique. Le traité transatlantique s'inscrit en fait dans une tendance lourde qui consiste à de plus en plus confier des pouvoirs politiques importants à des instances de décision qui sont sur le plan géographique de plus en plus éloignées du commun des mortels. Et donc, on a eu au cours du XXe siècle le passage des États-nations à l'échelon européen. Depuis la fin du XXe siècle, on a eu les compétences de l'Union européenne qui ont été considérablement renforcées. Et ici, l'enjeu du marché transatlantique, c'est effectivement de retransférer toute une série de compétences nationales, voire européennes ou américaines, à un niveau de décision transatlantique. Et donc, il est clairement question de créer une entité transatlantique, c'est dans le corps du mandat de négociation, qui demain aurait pour mission, en fait, lorsqu'un État ou une commune voudra relégiférer sur un domaine qui aurait été harmonisé, eh bien de dire « Ah, attention, vous ne pouvez pas relégiférer sur un domaine qu'on a harmonisé au niveau transatlantique, parce que sinon vous foutez tout par terre. » Et donc, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est une procédure où vous allez consulter le gouvernement des États-Unis, le gouvernement de l'Union européenne, pour voir si le projet politique que vous voulez redévelopper dans un domaine qu'on a déjà harmonisé, il est acceptable ou pas. La voix des mouvements sociaux opposés au marché transatlantique, elle monte de façon phénoménale depuis un an ou deux. Et donc forcément, à un moment donné, la Commission européenne est bien obligée de nous entendre. Maintenant, est-ce que la Commission européenne a envie de nous entendre et a envie de laisser une petite place dans ce qu'elle fait à nos critiques? Je peux dire que non. Je vais donner un premier exemple. Depuis le traité de Lisbonne, a priori, les citoyens peuvent lancer ce qu'on appelle une initiative citoyenne européenne qui réclame donc 1 million de signatures dans toute une série de pays membres pour poser une question à la Commission européenne qui est obligée d'y répondre. Elle y répond comme elle veut, mais elle est obligée d'y répondre. Eh bien, il y a quelques mois d'ici, toute une série d'organisations de différents pays européens ont voulu lancer une initiative citoyenne européenne sur les négociations transatlantiques qui sont menées par la Commission. Et d'emblée, la Commission a dit «
Ah, mais attention, ça, ce ne sera pas une initiative citoyenne européenne légale, parce que nous ne sommes pas vraiment compétents en cette matière. On a reçu le mandat des États membres, et donc ce n'est pas vraiment nous qui sommes compétents en cette matière. Donc, la Commission européenne a clairement, on va dire, abusé d'arguties juridiques pour pouvoir dire qu'elle n'était pas compétente et qu'elle se foutait complètement de cette initiative citoyenne européenne qui, à l'heure où on parle, a déjà reçu plus d'1 500 000 de personnes qui ont signé et qui ont dit « Nous, on s'inquiète de ces négociations et on voudrait qu'elles s'arrêtent ». Dans les projets pour créer un marché transatlantique, il est notamment question, et ça montre à quel point on sort de la démocratie, mais il est notamment question d'autoriser les multinationales à poursuivre les États devant des tribunaux d'arbitrage internationaux, ce qu'on appelle le règlement des différends investisseurs-États. Cette procédure, il faut bien comprendre que ce sont toujours des multinationales qui peuvent intenter des poursuites contre des États, juste parce qu'une politique décidée de façon démocratique nuit à leurs intérêts financiers. Et donc, il n'est jamais question pour les États de pouvoir poursuivre des multinationales. Et alors, élément aggravant, c'est que ce qui fait référence pour arbitrer le conflit entre la multinationale et l'État, ce n'est pas le droit national, mais c'est justement le droit commercial international, par exemple le traité TTIP, si un jour il est signé. Et donc, bref, là-dessus, on a fait nous monter depuis de nombreux mois les critiques en disant que c'était quand même ignoble et scandaleux en période d'austérité de prévoir des dispositions juridiques qui allaient obliger les États qui avaient pris des décisions démocratiques à rembourser des multinationales juste parce que celles-ci s'estimaient lésées dans leurs bénéfices. Donc là-dessus, la Commission européenne s'est sentie un peu obligée de faire ce qu'elle appelle une consultation publique, donc sur les règlements de différents investisseurs-États. Toute une série d'organisations, Notransat, le CNCD, toute une série d'autres, ont très vite alerté les internautes, répondu à cette consultation publique sur le règlement de différents investisseurs-États, parce qu'il faut vraiment montrer à la Commission européenne qu'on n'est pas d'accord. La Commission européenne s'est ramassée presque 150 000 réponses, dont plus de 85% étaient négatives. Donc le message, il est quand même très clair. Est-ce que la Commission européenne a envie d'entendre le message? Absolument pas, parce que le règlement différents investisseurs-États fait toujours partie des négociations. Dans ces procédures-là, on confie également de plus en plus de pouvoirs de décision aux multinationales. Et donc, je m'explique, dans cette instance transatlantique qui devrait naître si le TTIP voit le jour, il est notamment question, lorsqu'un gouvernement sera dans un processus pour pouvoir dire, moi, je voudrais pouvoir pondre une nouvelle loi, même si elle est dans un domaine qu'on a déjà harmonisé, il va être question d'entendre évidemment le gouvernement des États-Unis, il va être question d'entendre la Commission européenne, mais on pourra également entendre des parties prenantes extérieures. Et donc, les multinationales vont clairement être par moment réinvités à se prononcer sur des textes de loi parlementaires d'un niveau local parce que leurs intérêts seront en jeu et qu'on va clairement leur poser la question de savoir si c'est acceptable ou pas. Je pense effectivement que le traité transatlantique participe d'une logique qui est en œuvre depuis quelques décennies maintenant, qui consiste effectivement à recourir à la gouvernance, c'est-à-dire à vider peu à peu la démocratie locale de sa substance, pour ne plus y laisser que les charges, payer l'impôt, payer la dette, rembourser des multinationales qui ont des exigences, signer des contrats publics-privés pour mener des missions communales ou des missions collectives, mais que le vrai job politique, il s'éloigne de plus en plus du commun des mortels et il est de plus en plus confié à des gens qui se contrefichent pas mal du point de vue du commun des mortels. Et je pense que ce phénomène-là, si on ne l'arrête pas, va vraiment aggraver la crise de légitimité du monde politique, parce que comment pourrait-on vouloir avoir une légitimité électorale ou un certain succès, on va dire, d'estime auprès d'électeurs, quand finalement on confie l'essentiel des responsabilités politiques, à des gens qui ne sont pas élus et qu'inversement, on envoie, nous, dans des parlements, des gens qui ont des pouvoirs de plus en plus rachitiques.